Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Super Opening. Aujourd'hui, Super Opening un petit peu spécial car c'est encore une fois un cristal feature, mais qu'en plus de ça, il y a quelques petits cristaux cadeaux. Que c'est donc celui du Black Iso Market, hein, donc qui va être à 11 000 éclats, donc normalement j'aurai assez, là je suis à 10 200. Et à côté de ça, j'ai également donc le Black Iso à aller chercher. Donc on va ouvrir les quelques petits trucs qu'on a, mais d'abord on va aller voir ce qu'on peut acheter dans le Black Iso Market. On va y aller petit à petit, parce que je crois... Oh merde, je me foire. Enfin, j'ai pas tout directement, hein, j'ai pas tout directement. Bon, déjà les SCH, ça je vais pouvoir acheter sans aucun souci. Donc ça c'est les SCH à moitié prix, ça je vais pouvoir acheter le 3 étoiles. Sans souci, le cristal ultime, pareil. Ça, ça va. Ensuite, ça, alors ça, non, ça, je pourrais pas. Ça, je pourrais pas, enfin, pas pour l'instant. Ensuite, les éclats 5. Donc ça, je peux en acheter un, je crois. Mais on va attendre de voir. Donc déjà, je vais aller ouvrir ce que j'ai déjà. Donc que ça soit les SCH ou les cristaux, enfin les cristaux, tous les cristaux en gros. Je vais ouvrir tout ça pour avoir potentiellement mon 3 étoiles. Enfin ça, on va ouvrir après. Je vous dis, ça, là ça va vraiment être petit à petit dans cet opening. Alors, donc déjà on va ouvrir ça parce qu'on peut avoir des éclats 3, des éclats 4. Super, on n'a pas un seul éclat 4, pas un seul éclat 3. Ensuite, alors normalement on a des SCH. Voilà, on a 13 SCH. On va ouvrir ça déjà. Ouh, bah ça fait pas mal d'éclats 4 tout ça. Ah ouais, parce qu'il y a combien? Il y a 5 3 étoiles. 5 3 étoiles, c'est vraiment pas mal. 5 3 étoiles, donc là ça va me permettre d'ouvrir. Ouais, ça va me permettre d'avoir un peu d'éclat en plus. D'éclat 5 en plus. Bah encore un peu plus, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc les SCH, c'est bon. Le cristal ultime, on va l'ouvrir tout de suite. De toute façon, il ne me donnera pas beaucoup plus, je pense. Ah, on a deux cristaux ultimes. Hop, deux cristaux. Ça fait 2-3 étoiles. Donc là, on est passé au-dessus des 2000, donc on va pouvoir prendre un deuxième lot. Et est-ce qu'on va pouvoir prendre un autre lot? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. On va voir. Là, déjà, on a 5 SCH. Et un petit 3 étoiles. 2 à 2, ça me va. C'est super. C'est super, ici, donc normalement on n'a rien, ouais si on a Combatech, mais bon, ça pas trop incroyable. En tout cas, c'est le dernier super opening hein, c'est le dernier super opening de cette année, de toute façon. Donc voilà, il y aura un big opening, donc normalement c'est demain, si je ne m'abuse, oui, c'est demain, et du coup on se retrouvera avec un nouveau super opening bah, dès que je pourrai. Quoi qu'il arrive, dès que je pourrai. Alors, on va ouvrir ce dernier SCH. Et ensuite, on va aller ouvrir tous les petits cristaux de compétences max et tout qu'on a. Pour du coup, pouvoir ouvrir quelque chose d'autre. Alors, on n'a pas de cristal de connexion, non? Ah non, il doit arriver demain, je crois. Ou après-demain, je sais même plus. Je sais même plus, mais il doit arriver dans pas super longtemps. Alors, on a 10 petits cristaux comme ça. Donc, on va aller pouvoir acheter dans la boutique donc les éclats supplémentaires. Donc, on va pas ouvrir de 4 étoiles hein, dans cette vidéo. On va pas ouvrir de 4 étoiles, mais au moins, on aura acheté du coup... Enfin, non, c'est... Enfin, si, ça, je peux l'acheter au final. Mais on aura acheté du coup une bonne partie de tout ça. Ça, est-ce qu'on peut l'acheter? Ah, on peut pas acheter, il nous manque encore. Ah, il nous manque encore. Ah non, bah non, mais non, mais non, je peux. Je suis con, je peux normalement. On en a des cristaux de compétences max 3 étoiles. Je les ai pas ouverts. Et on a un 3 étoiles en plus à ouvrir, je vais l'ouvrir tout de suite. Hop, Punisher 2099. Bon, en tout cas, on reste sur un énorme feature, je vous rappelle, on reste sur un petit Docteur Doom, donc l'éveil de Docteur Doom. Donc on va tâcher d'avoir un truc aussi bien, si possible. Mais voilà, ça, en tout cas, ça a fait vachement plaisir. Maintenant, voilà, j'ai eu Docteur Doom éveillé, j'ai eu deux fois Manfing. Si on pouvait avoir un autre feature, au moins, pour avoir la moitié des features, sachant que j'ai déjà eu Black Widow, donc qui est l'exclusif, ça m'irait très très bien. Donc, maintenant, on va du coup acheter les 1000 éclats 4. Mais je crois que j'aurai pas... Ouais, ça va être léger pour avoir le dernier stock. Parce que là... Ah si, j'ai le cristal du grand maître. On va l'ouvrir tout de suite.
Petit cristal de compétence max, si j'ai un cristal qui traîne à côté, ouais, peut-être, peut-être, peut-être. De toute façon, il y a les cristaux cadeaux aussi, il y a 5 cristaux cadeaux. Hein. Il y avait beaucoup trop de 5 étoiles. Il y avait beaucoup trop de 5 étoiles. Ça fait Sentinelle, Sentinelle qui est déjà au max. Donc ça fait un petit cristal de compétence max. On va être au-dessus de 10 850. Enfin, de 1850, pardon. Mais à côté de ça, je crois pas qu'il me reste de cristaux à ouvrir. Hein. Enfin, de cristaux en tout cas qui me donnent des trucs héroïques. Ouais, il me reste ça, mais ça me suffira pas. Je serai à 10 900. On va regarder un petit peu déjà les cristaux du jour. Bon, pas ouf. Et j'ai eu du mystique, ça c'est pas mal. Bah écoutez, on va ouvrir les cristaux cadeaux. Ouais, on va ouvrir les cristaux cadeaux. Donc on en a 5. On en a 5. On va voir ce qu'on chope. Allez, c'est parti. Les 5. Déjà, il y a un. Donc 2000 éclats 4, c'est vraiment pas ouf. On a un cristal de T4C. On a 9000 de T2A. Ouais, on n'a pas d'éclat 5, c'est vraiment dommage. Bon, après, on a eu 1000 éclats 6 quand même. Mais bon, bon, du coup, on peut ouvrir le nouveau stack, du coup. Mais bon, on a eu quand même 3 lots nuls, quoi, en fait. On a eu 2 lots de 4 étoiles et un lot de. Un lot de T4C. On a beaucoup trop de T4C, c'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage, mais bon. Bon, voilà. Et du coup, non, c'est pas ici, c'est ça. Voilà. Hop, on prend le dernier stack. Bon, je suis pas loin de pouvoir ouvrir un cristal finalement, hein, un cristal 4, mais bon. On peut pas l'ouvrir quand même. On peut pas l'ouvrir quand même, mais c'est pas grave. On va ouvrir du coup notre petit cristal Featured. Donc bon, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. En vrai, j'aurais kiffé avoir. En plus, on n'a pas eu de T5B, on n'a pas eu d'éclat 5. Pas de gemme d'éveil, bon ça voilà. Pas de Kang, pas de Thanos. Un peu dommage, un peu dommage. Il manquait un petit truc quand même dans l'opening. Il manquait un petit truc. Enfin, il manquait, disons, il manquait un petit, je sais pas, un petit truc un peu réjouissant en termes de tirage. C'est dommage. Enfin voilà. En tout cas, on va ouvrir ce Crystal Featured. Donc je vous rappelle qu'il me reste. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il me reste à choper, qui pourrait être intéressant. Donc l'éveil de Psylocke, ça serait intéressant. L'éveil d'X23, bon même si c'est pas un truc que j'attends de ouf. Éveil d'X23, ça sympa. Elsa Bloodstone, en nouveau. Éveil de Black Widow, ça serait kiffant. Karnak Falcon, je m'en fous. Mister Fantastic, ça serait kiffant de le choper. Hulk. Bah Hulk, non, je m'en fous. Spidey Miles Morales, pareil. Spider-Gwen, pareil. Doctor Doom, du coup, pareil. Homme Chose, pareil. Morningstar, pareil. Thor Jane, ça serait un nouveau. Donc, ça serait kiffant. Ensuite, enfin non, attendez. Non, si, je l'ai pas. Je l'ai toujours pas. Mais je l'ai en 6, par contre. Vision Arcus, ça serait grave kiffant. Phoenix, Drax. Enfin, Drax, si, pourquoi pas. Je crois que je l'ai pas éveillé encore. Ah, si, je l'ai éveillé récemment. Ah, je sais même plus. Je sais même plus. Phoenix, je crois que je l'ai éveillé récemment. Mais Drax, non. Je sais plus. Mais en tout cas, Venom the Duck, je m'en fous un peu. Guillotine 2099, ça serait super cool. Surtout qu'on a, je vous le rappelle, donc des gemmes d'éveil. Donc, ça serait grave, grave cool. Iron Man, Darkhawk, je m'en fous un peu. Même si Darkhawk, en soi, l'éveiller un peu plus, ça m'embêterait pas trop. Et le vautour, je ne l'ai pas. Donc, ça serait kiffant. Voilà. Donc, on est parti pour ce nouveau cristal featured qu'on va un peu laisser tourner. Voilà. Il me reste donc 4 featured que je n'ai pas eu du tout. Et il y a 2 personnages que je n'ai pas. Plus quelques persos en éveil. Donc, grosso modo, il y a une dizaine de personnages qui m'intéressent. Voilà, une dizaine de trucs qui me vont. Voilà. Donc, on va voir. On va voir, on va voir. J'ai eu quand même pas mal de chance sur les premiers featured. J'en ai ouvert une dizaine. Là, j'ai eu 4 fois un featured. Donc, ça me va. Ah, dommage! Il y avait Elsa ou X23! Ah, ça aurait été bien les deux! Enfin, l'une ou l'autre! Le faux, il passe à combien? 60? Ouais, c'est ça. Il passe à 60. Bon, c'est pas dingue! C'est pas dingue, ça fait des éclats 6. Donc, au prochain Inco, on va pouvoir ouvrir un nouveau cristal 6 étoiles. Ça, c'est kiffant. Après, voilà, ce cristal feature 5 étoiles est pas super, super ouf. À côté de ça, du coup, on se retrouvera donc dans le prochain Super Opening. Donc, le prochain Super Opening, ça sera le premier de 2020. Et donc, dans ce premier de 2020, je pense qu'il y aura les derniers cristaux cadeaux. Ou peut-être que je les ouvrirai hors vidéo. Enfin, ça dépendra. Mais en tout cas,
En tout cas, ça sera de toute façon, enfin, il en restera quelques-uns, parce que vous voyez que là, je suis à 300 unités, donc là, je vais pouvoir en choper un. Il y a également, donc, sur le troisième compte, je pense, je pourrais au moins envoyer un, voire deux cristaux, et sur le deuxième compte, à peu près pareil. Donc, il y a moyen encore que j'ai peut-être, 5, 6, 7 cristaux, un truc comme ça. Donc, voilà, on essaiera d'avoir des trucs sympas. Merci à vous, en tout cas, de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, pour me donner votre avis sur ce dernier tirage de 2019 sur le gros compte. On se retrouve du coup demain avec un Big Opening 2.0, le dernier opening de 2019, donc en tout cas sur mes comptes. Et on se retrouve également donc le dernier jour de l'année avec du coup un opening, donc de, enfin pas un opening, un top champion 2019 de la communauté. Donc n'hésitez pas à aller voir dans le sondage que vous trouverez dans la description pour rajouter vos votes si vous ne l'avez pas fait encore. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de monde qui regarde ces vidéos mais qui vont pas aller derrière voter sur le sondage. Donc n'hésitez pas vraiment, ça ferait vraiment plaisir. Et en plus, bah, pour une fois que quelqu'un vous donne, voilà, votre avis et tout, et enfin qui vous donne la possibilité de donner votre avis, je trouve ça intéressant et dommage de pas saisir cette chance entre guillemets. Après voilà, faut quand même se rappeler, voilà, j'ai pas non plus une audience incroyable et tout, mais en vrai voilà, je vous donne la possibilité de donner votre avis là-dessus. Ça vous prend pas un énorme temps et ça vous demande pas une énorme demande d'énergie dépensée donc pour voter. Donc voilà, autant le faire, franchement ça vous prend rien comme temps. Donc enfin voilà, n'hésitez pas, en tout cas le sondage est dans la description. Merci à vous, bonne soirée, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos de tout type, tout soir à 19h sur ma chaîne. Merci à vous et bonne soirée.